mandaté Nicolas Debertier. Bien, bonjour à tous, vous m'entendez, c'est bon? Bien, alors il m'a semblé, pour mon compte, que la question des relations entre Byzance et ses différents voisins, à l'époque médiévale, on avance un petit peu dans le temps, offrait effectivement de belles opportunités pour appréhender la question des relations culturelles, entrevues peut-être sous l'angle, et en particulier sous l'angle des prétentions à des formes d'hégémonie des uns sur les autres. Alors je vais me concentrer aujourd'hui, et pour cette communication, sur la question des seules relations entre Byzance et l'Occident chrétien, celui qu'on qualifie de latin, en particulier dans l'historiographie contemporaine, mais le terme de latin, latinoi en grec pluriel, est un terme que l'on trouve dans les sources grecques, celles sur lesquelles je vais m'appuyer, pour désigner tout ou partie donc, de ses voisins indirects sur le plan géographique, et occidentaux, donc, vus de Constantinople. Alors, je vais me concentrer sur le XIIe siècle, un long XIIe siècle, un XIIe siècle entendu au sens large, qui court en gros des années 1070-1080 jusqu'à la date fatidique, vous la connaissez, pour l'empire de Byzance, la date de 1204, et donc la chute de Constantinople, précisément d'ailleurs aux mains des Latins, à l'issue de la quatrième croisade qui a été déviée de son but initial, l'Égypte des Ayoub. Alors, durant cette période, le trône impérial est occupé par deux dynasties, les Comnènes et les Anges, et c'est aussi une période qui est synonyme, en fait, de présence accrue des Latins, des Occidentaux chrétiens, donc dans l'Empire, et ce, pour des raisons variées. Première raison, des raisons marchandes, des raisons commerciales, on est en pleine période d'expansion commerciale, en particulier des cités dites italiennes, des républiques maritimes italiennes, au rang desquelles on compte, bien sûr, Venise, Pise et Gênes. Expansion ou présence aussi spirituelle ou religieuse, la place de pèlerins, hein, qui ne cesse pas, qui n'est pas nouvelle à Constantinople en particulier au XIIe siècle, mais qui va en s'accroissant à ce moment-là, à la fois parce que c'est une étape sur la route de Jérusalem, vers Jérusalem, mais aussi parce que Constantinople est considérée depuis le VIIe siècle comme la nouvelle Jérusalem, capitale des reliques. Une présence de nature militaire, on n'oublie pas que les Latins sont présents au titre du mercenariat dans les armées et les unités d'armée centrale byzantines. Et autre aspect de cette expansion militaire, ce sont les offensives militaires menées par des Latins eux-mêmes, en particulier par des Normands, contre les intérêts et les territoires impériaux à la fin du XIe siècle. Et ce sont des offensives qui vont se répéter à plusieurs reprises, en 1106, 1107, en 1147 et en 1185, lors d'un épisode célèbre sur lequel je reviendrai, la prise de Thessalonique, la deuxième ville de l'Empire, par les Normands. Expansion aussi qui cumule l'aspect militaire et l'aspect spirituel. On pense bien sûr aux croisades, les trois premières, qui traversent l'Empire, et la quatrième, bien sûr, qui la traverse, mais plutôt dans une dimension maritime, avec le destin et les conséquences funestes pour l'Empire que j'ai exposées à l'instant. Alors, je vais étudier ici le point de vue strictement byzantin, hein, l'image des Latins, en lien, bien sûr, avec les relations réelles, entrevues donc sous l'angle culturel, et je voudrais poser la question du rapport à l'autre. Mais il est certain, je l'évoquerai quelquefois, qu'on dispose, grâce aux sources latines, d'éléments très intéressants sur l'image des Byzantins dans ces mêmes sources, et sur fond donc d'un contexte identique. Je rappellerai juste, pour terminer ces éléments liminaires, que l'idéologie impériale byzantine est souvent répétée dans les textes et dans les chroniques sur lesquelles je vais m'appuyer en particulier. Cette idéologie, elle nous rappelle et elle rappelle que l'Empire domine le monde habité et l'ensemble du monde, et qu'un jour l'écoumène correspondra idéalement aux limites même de l'Empire. C'est dire à quel point l'empereur ou Basileus se considère et est considéré comme un maître absolu, auprès duquel les autres princes, fussent-ils latins ou d'autres origines, doivent obéissance, quand bien même la réalité est tout autre. Et vous l'avez compris, vous le savez, au XIIe siècle, ce sont plutôt les Latins qui, donc, ont le vent en poupe en Méditerranée et en Méditerranée orientale en particulier. On n'oubliera pas enfin une dernière distinction qui est, je dirais, fondamentale, sans doute dans l'identité et dans l'idéologie aussi byzantine, la distinction entre les tenants de la vraie civilisation, les Romains, c'est-à-dire ce que nous appelons très improprement, vous le savez aussi, les Byzantins, qui s'opposent à la barbarie.
c'est-à-dire tout ce qui ne relève pas de l'Empire, tout ce qui est étranger, de près ou de loin, à l'Empire. Dans ce contexte et, à partir de ces considérations, la question que je vais poser, elle est simple. Hein, comment Byzance pense-t-elle sa présence au monde et sa domination, ou ses prétentions de domination, notamment sur le plan culturel et intellectuel, vis-à-vis de ce voisin latin, alors que ce dernier est donc en pleine expansion, et quelquefois une expansion au détriment des intérêts même de l'Empire. Alors je vais m'appuyer sur trois sources principales pour appréhender cette question. J'en citerai d'autres à l'occasion, mais trois auteurs sont importants, et je vous les indique par ordre chronologique. La première source est aussi une source écrite par une femme, Anne Comnen, un des plus grands auteurs, une des plus belles plumes du millénaire byzantin, qui rédige dans les années 1140 un texte singulier, un récit tout à la gloire de son père, Alexis Ier Comnène, le fondateur de la dynastie des Comnènes, et qui nous donne en particulier ce récit le témoignage des élites byzantines vis-à-vis du phénomène de croisade, vis-à-vis du phénomène de l'expansion normande des années 1070-1080, et ensuite donc de la première croisade. Même si elle était encore jeune à cette date-là, elle a eu accès à des archives et à des sources qu'elle cite, qu'elle mentionne, ce qui permet d'avoir vraiment la vision byzantine de cette première croisade. Deuxième auteur, un petit peu plus en avant dans le XIIe siècle, né en 1143, Jean Kinamos, qui a été secrétaire du petit-fils d'Alexis Ier Comnène, le fondateur de la dynastie, qui lui va régner, ce petit-fils, Manuel Ier, entre 1143 et 1180. C'est dire à quel point ce Kinamos est bien renseigné lui aussi, et il laisse une chronique assez précise qu'il a rédigée à la mort de Manuel, à partir de la date de la mort de Manuel, 1180. Et enfin, troisième et dernier témoin, un certain Nicétas Coniates, plus tardif, mais lui aussi fort intéressant, qui a laissé une œuvre absolument majeure d'histoire de Byzance qui couvre les deux derniers tiers du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle, ce qui revient à dire qu'il est contemporain de cette fin de siècle un peu terrible pour l'Empire byzantin et de cette chute de Constantinople en 1204. Il est constantinopolitain, il a vu les exactions des latins et les exactions des croisés à ce moment-là, les destructions perpétrées par les latins, et il écrit durant l'exil de Nicée. Et il ne cache pas, on va le voir, son aversion globale pour les latins, fruit bien sûr de l'expérience vécue. Alors les éléments qui témoignent dans un premier temps aux yeux des byzantins de l'infériorité culturelle des latins sont multiples. Et parmi ces éléments qui sont récurrents, qui sont répétés, les tares morales sont assez symptomatiques de ces latins. Entre vous, on va le voir comme un groupe, mais au sein desquels émergent quelques individualités. Ces tares se mesure donc par des attitudes, par des habitudes aussi, qui sont peu recommandables aux yeux des Byzantins et qui sont donc condamnées par nos principaux chroniqueurs. Et si j'avais à les résumer, je vais les présenter rapidement, si j'avais à les résumer globalement, je dirais que les Byzantins reprochent au latin l'absence de juste mesure. Le latin est celui qui n'est pas capable de cette juste mesure, qui tombe volontairement dans l'hubris, dans la démesure. Et vous savez que Byzance est la continuité de l'Empire romain dans sa culture grecque, ça a été démontré pour des siècles antérieurs, et donc Byzance reprend ce trait culturel et est très critique vis-à-vis de ceux qui ne suivent pas cet idéal de juste mesure culturelle. À cette double culture d'ailleurs s'ajoute aussi la culture chrétienne bien sûr, d'autant plus lorsqu'elle est relayée par le pouvoir impérial, par l'empereur qui se veut lieutenant de Dieu sur terre, et qui explique à tout point de vue cette démesure est réprouvée et condamnable. Eh bien, les latins s'en font les spécialistes. Je vous en donne deux exemples, lors de certains épisodes militaires en particulier. Lors du siège et de la prise de Thessalonique, qui nous est décrite, alors à la fois elle est mentionnée, mais sans grande description, par Nicétas Coniates, mais on a surtout le témoignage de l'archevêque de Thessalonique, métropolite plutôt, Eustate de Thessalonique, est aussi un des grands lettrés de la fin du XIIe siècle à Byzance, et qui décrit avec force précision les exactions commises par les latins lorsqu'ils s'emparent de cette cité, de seconde ville de l'Empire. Même chose, et un peu plus tôt, on remonte un petit peu plus haut dans le temps, avec les excès du traitement par les croisés de la première croisade, excès du traitement vis-à-vis des Turcs lorsque les croisés passent en Asie mineure, lorsqu'ils s'emparent de Nicée et qu'ils s'attaquent non seulement aux enfants mais aussi aux personnes âgées, de manière absolument démesurée, avec ces vices physiques à la clé. C'est ce que nous raconte l'Alexiade d'Anne Comnène.
Tare qu'ils partagent avec les autres barbares, du reste les autres voisins et étrangers de l'Empire, les Latins font preuve d'un orgueil absolument démesuré. C'est un péché, vous savez, capital dans la culture chrétienne, dont ils abusent. Kynamos en est un témoin et un relais particulièrement précieux. Ils nous expliquent en particulier qu'ils ont l'habitude fâcheuse de se vanter quand les circonstances leur sont favorables, ou au contraire de ne pas savoir faire preuve de retenue, d'humilité, en cas de malheur en particulier. Alors certes, la bravoure qu'on retrouvera pour des raisons d'histoire militaire est une qualité qu'on peut trouver sous la plume de ces auteurs byzantins, mais c'est une bravoure dans laquelle on trouve que les Latins, ou les auteurs grecs, trouvent que les Latins considèrent qu'ils ont le monopole de la bravoure et donc nient la bravoure des autres, et en particulier des Grecs. Par ailleurs, les Latins sont cupides. Et là aussi, c'est une caractéristique plus large des barbares. Ils ne sont jamais rassasiés des richesses, et en particulier celles de l'Empire. On a de beaux témoignages, là aussi, basés sur des réalités vécues au moment de la première croisade. Une manière de faire entrer les chefs de la première croisade dans les vues de la cour impériale, et d'exposer, au moment de la présence de ces chefs à Constantinople, pendant l'hiver 1096 et début 1097, d'exposer les dites richesses de l'Empire, dites richesses de la cour, pour mieux s'attacher donc la fidélité de ses chefs. Et Anne Comnène de préciser que cette technique fonctionne particulièrement. Le latin est un philocrisson, c'est-à-dire qu'il aime l'argent, qu'il aime l'or, hein, les richesses, il est cupide. La rapacité en particulier des latins est très nette, et leur pratique de pillage n'est pas seulement une vue de l'esprit, elle s'accorde avec cette tare morale de cupidité, et là c'est plutôt Cognatès qui en donne un témoignage vivant, parce que vécu lui aussi, en 1204, le fait de s'en prendre hein, à la matérialité de la ville, aux objets, aux monuments, est quelque chose qui a marqué les esprits et que l'auteur condamne. Je noterai, on notera au passage qu'il n'y a pas de massacre de population à ce moment-là, hein, on s'en prend juste au bien, à la richesse matérielle, ce qui conforte en fait les Byzantins dans cette image de latin qui sont cupides et qui recherchent les richesses matérielles. Par ailleurs, les Latins sont inconstants. On ne peut pas compter sur eux. Ils sont versatiles. On ne peut pas en faire compte, si l'on en croit cette logique poussée à l'extrême dans certains propos des trois chroniqueurs, on ne peut même pas en fait conclure de traité durable, parce que de toute façon, le latin reviendra toujours sur ses propos, quand bien même il a prêté serment pour s'engager devant Dieu, hein, lorsqu'il y a justement serment. Et cette versatilité, elle est doublée d'une certaine lâcheté qui se manifeste dès que les difficultés surgissent. Et il y en aura beaucoup tout au long du XIIe siècle. Suite logique de cette tare, de ce vice moral, les latins sont faux, je dirais, doués, et je me fais l'écho hein, des textes grecs, c'est un jugement que je donne bien sûr, ils sont doués pour le mensonge, doués pour la duplicité. On en a plusieurs exemples. À l'occasion de la seconde croisade, donc on est à la fin des années 1140, eh bien, Nicétas Cognatès dit explicitement que cette entreprise en vue de consolider la présence des Latins en Orient, en Terre Sainte, n'était rien d'autre qu'une entreprise, en réalité, en vue de nuire aux intérêts de l'Empire lui-même, et que ces hommes croisés n'étaient que des loups cachés sous une peau de brebis. Plutôt d'ailleurs, Anne Comnène, pour la première croisade, ne s'était pas embarrassée de filer la métaphore, et comme elle le dit ouvertement, les Latins, de la première croisade, était là pour se tailler des principautés sur le territoire impérial. Et l'un d'entre eux, d'ailleurs, aurait même particulièrement visé le sceptre et le trône des Romains, c'est le fameux Robert Guiscard, mais un petit peu avant la première croisade, il est vrai, le premier grand chef normand qui, vous savez, s'empare de l'Italie du Sud, expulse les Byzantins de l'Italie méridionale, hein, la chute de Bari en 1071, et poursuit ses offensives sur tout le flanc adriatique de l'Empire byzantin dans les années qui suivent. Et ces prétentions, hein, marquées par de réels combats sur le plan militaire et naval, eh bien, seront poursuivies par son fils, le fameux Bohémond, j'y reviendrai dans un instant. Alors c'est important quand même parce que ces conquêtes normandes inaugurent une forme d'offensive et même d'agression armée, la première menée par des Latins, par des Occidentaux, sur les territoires impériaux. Il y avait bien eu les Lombards, c'est vrai,
mais ça relève déjà d'une histoire très ancienne, hein, à la fin du VIe siècle, qui avait gêné la présence romaine et même écarté les Romains du nord de l'Italie. Mais ensuite, les choses s'étaient maintenues quasiment en l'état. À la fin du XIe siècle, on comprend bien à Byzance, même si on va tarder justement à le comprendre, que les choses changent, que les choses bougent, et que désormais, certains de ces Latins, et les Normands en particulier, sont particulièrement actifs et virulents. Mais surtout, ce qui est important, et c'est là où, au sein de ce monde latin, la figure de Normand émerge particulièrement, c'est que ces offensives, comme je l'ai dit tout à l'heure, des Normands, depuis la Sicile, vont se répéter. En 106, en 107, c'est Bohémond qui mène une campagne dans les Balkans pour nuire aux intérêts byzantins en visant le trône impérial. Mais il échoue. En 147, c'est le roi Roger II de Sicile qui, depuis la Sicile, s'attaque aux intérêts byzantins, profite de la déstabilisation, je dirais, de l'Empire byzantin sur fond de seconde croisade qui s'apprête à traverser l'Empire pour attaquer la partie sud de l'Empire, le Péloponnèse, la région de Thèbes et d'Athènes en particulier. Et l'histoire bégaye, puisque de nouveau, donc en 185, c'est le roi Guillaume II qui s'empare de et qui met à sac la seconde cité de l'Empire, comme je l'ai expliqué à l'instant, Thessalonique. Au total, donc, des tares morales qui sont multiples, qui sont relayées par une réalité historique, ce qui conforte donc les Byzantins dans leur jugement, et des tares qui sont d'autant plus, des défauts qui sont d'autant plus prégnants, qu'ils sont considérés par nos trois auteurs et par d'autres comme innés, et donc de fait incurables. On ne pourra rien faire contre cette réalité, contre cet état de fait. Même si on les prend en cas par cas, et donc si on regarde un petit peu plus les individualités, eh bien, ces hommes, ces voisins directs, mais dont le contact lui est direct, ne sont pas recommandables. Les Vénitiens en particulier, dont l'expansion commerciale n'est plus à décrire, sont par nature mauvais. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens de mer. Les Rochelais interpréteront comme ils voudront. L'évêque de Rome, ne l'oublions pas, le pape, lui aussi concentre les invectives à l'occasion. Hein, ce ne sont pas des critiques qui sont récurrentes, mais en particulier chez Anne Comnen, c'est très clair. Et pour plusieurs raisons, je les expose très rapidement. D'abord parce que, et ça c'est un argument qu'on va trouver de plus en plus répété dans les sources grecques, eh bien l'évêque de Rome est à la tête de chrétiens déviants. Hein, cette idée de chrétiens hérétiques, qui est un peu nouvelle en fait, hein, et qui n'est pas partagée par tout le monde, mais qui apparaît et qui va se répéter par la suite. Il y a des divergences disciplinaires, mais elles ne sont pas nouvelles au XIe siècle. Il y a une divergence dogmatique, la question de la procession du Saint-Esprit, le filioque, je ne détaille pas. Mais surtout ce qui change, et là aussi on va en prendre la mesure, mais sans doute tardivement, c'est la fameuse réforme grégorienne, et les prétentions de ces papes réformateurs de la fin du XIe siècle, Grégoire VII, mais d'autres avant lui et encore plus après lui, qui promeuvent une monarchie pontificale avec la fameuse notion de libertas ecclesiae, qui est tout à fait aux antipodes du système d'une église à cinq têtes, la pentarchie, qui est promue, lui, par les basiliques, par les empereurs, sachant que c'est toujours l'empereur, les empereurs qui ont le dernier mot en matière ecclésiastique et en matière, y compris en matière dogmatique. Plus grave encore, j'en termine pour l'image de l'évêque de Rome et de Grégoire VII en particulier dans le récit d'Anne Comnène, la papauté soutient les entreprises normandes. Lorsque les Normands s'attaquent à l'Empire, notamment en 106-107 par Bohémond, eh bien ça a été précédé d'une grande campagne militaire orchestrée par Bohémond en France, en Angleterre, avec un légat pontifical à ses trousses pour lever des armées pour aller lutter contre l'Empire byzantin. Finalement, ce sera un échec. Vu de Constantinople, l'attitude de cet évêque de Rome qui soutient ces entreprises est absolument inadmissible, pour la simple et bonne raison que c'est d'entretenir la guerre entre chrétiens, hein, ce qu'on peut considérer comme une guerre civile ou fratricide, amphilios polemos, une guerre de fratrie, véritablement, qui est donc condamnée et condamnée. Deuxième point, tout autant remarquable, il faut noter combien ces critiques des Byzantins vont sur un autre terrain, lui aussi culturel, en laissant de côté la dimension morale, et qui nous rappelle que le latin, ce n'est pas seulement une figure de l'esprit, c'est aussi quelqu'un qui est bien présent, que l'on rencontre, donc quelquefois par les armes, mais le plus souvent aussi de manière pacifique. Quelqu'un que l'on voit dans la rue, dans les rues, à Constantinople en particulier, dans les grandes villes de l'Empire, ou ailleurs, hein, au sein des sanctuaires, au sein des monastères ou de certaines églises. Eh bien, cette réalité vécue explique pourquoi
au sein des propos des trois chroniqueurs, ces propos ou ces chroniqueurs s'intéressent aux signes extérieurs de la culture du latin, de la culture de ces hommes chrétiens d'Occident. Alors on pourrait distinguer plusieurs éléments, je vais me concentrer pour des raisons de temps sur deux d'entre eux, sur la question de la nourriture et de la culture alimentaire d'une part, sur la question du poil et du système pileux d'autre part. Hein, vous savez que le poil est un grand sujet d'histoire, là aussi je peux attirer des étudiants de master et même peut-être des thèses, parce qu'il y a vraiment à la fois beaucoup de sources et un sujet absolument captivant. Je vais essayer de vous le démontrer pour le cas des relations entre Byzance et les Dalles. La nourriture, tout d'abord, la culture alimentaire plus largement. Alors, je vais m'appuyer ici en particulier sur les travaux récents de Béatrice Cazot, qui a fait une habilitation qui vient d'être publiée, tout à fait remarquable sur le sujet, sur la culture alimentaire dans le monde byzantin, et aussi sur l'image et la question des relations avec les voisins de l'Empire. Elle a bien montré ce qui oppose avec netteté latin et byzantin en matière de consommation et de consommation de viande en particulier. Autant les seconds, les byzantins, respectent ou se veulent respectueux d'une consommation de viande saignée au préalable et en s'appuyant sur des interdits vétéraux ou néo-testamentaires, autant au contraire, les latins, eux, consomment une viande à l'étouffée qui n'a pas été, c'est ce que dit ce texte grec, qui n'a pas été saignée au préalable. Et en cela, ils sont de mauvais chrétiens. Ils sont considérés comme déviants, puisque irrespectueux de ces interdictions bibliques. On notera qu'à Byzance, ces interdictions vétéro- et néo-testamentaires sont répétées jusque dans le droit civil. On a une belle nouvelle, une loi du début du Xe siècle, la nouvelle 58, pour ceux qui veulent des références, écrite par Léon VI, qui rappelle l'impureté contractée par l'aliment pour le consommateur et l'impureté donc notamment de la viande qui n'a pas été saignée. Et les peines encourues, hein, pour celui qui consomme la dite viande, confiscation des biens, exil, après torture et rasage du crâne. Alors on peut douter de l'impact réel de ce genre de mesures, d'autant plus qu'en fait on note que ces interdictions sont répétées. Au XIIe siècle, le grand canoniste Balsamone en profite lorsqu'il évoque la chose pour justement critiquer les latins qui se gavent de sang. Hein, on est là dans une disposition très littéraire, très topique, hein, c'est un topos ici, le barbare assoiffé de sang, incarné par les latins à ses yeux, en tout cas c'est ce qu'il dit lorsqu'il évoque cette question de la consommation de la viande. Donc en ce sens, les latins sont mauvais, sont dans l'erreur, et c'est tout à fait remarquable puisqu'on voit que sur ce plan-là, cette consommation, cette question de la consommation est un marqueur identitaire important qui distingue, qui différencie, qui oppose byzantins et latins. La chose est particulièrement nette justement au XIIe siècle, au moment où se développe dans les textes grecs, sous la plume de certains auteurs, toute une polémique anti-latine. Et on en a quand même quelques prolongements très concrets, et je reviens à la première croisade, et je reviens à l'Alexia de Dan Comnen. Lorsque, parmi les princes, chefs, barons, comme on les appelle de la première croisade, on passe à Constantinople, eh bien, parmi eux se trouve justement l'un des chefs normands les plus opposés au monde byzantin, qui mènera campagne par la suite, le fameux Bohémond, le fils de Robert Guiscard. Eh bien, Anne Comnen nous dit qu'on a tenté d'émerveiller Bohémond à la cour impériale, on l'a reçu de manière brillante, on essaye de lui imposer un serment de fidélité, comme on essaiera, puis réussira de l'imposer à d'autres chefs de cette première croisade, et qu'après les tractations avec l'empereur, eh bien, on s'est mis à table. Sauf que le fils de Guiscard, Bohémond, n'a pas eu confiance dans la viande qu'on lui a proposée, et il a refusé de la consommer en craignant un empoisonnement. Or, l'empereur aurait décidé, nous dit Anne Comnen, de lui faire livrer de la viande crue pour qu'il puisse la consommer à sa guise. Et en fait, derrière cette attitude impériale, derrière ce cadeau, c'est très certainement une insulte qu'il faut voir. La manière de renvoyer à la barbarie du Normand, en fait, qui consomme de la viande crue. Anne Comnen quand même précise qu'il finit par faire cuire sa viande, Bohémond et ses acolytes, avant toutefois de la faire goûter à ses proches et de s'inquiéter de leur santé le lendemain pour se rendre compte qu'ils n'ont pas été malades. Pour en rester aux Normands et à la consommation de la viande, d'autres auteurs, notamment Nicetas Cognates, fustigent les Normands en particulier pour la consommation démesurée qu'ils font de la viande de bœuf.
C'est vrai que là aussi, il y a une autre distinction, toujours alimentaire. Les Byzantins sont plutôt adeptes de moutons, de chèvres ou de porcs, mais moins de bœufs. Toutefois, dans un contexte de plus en plus polémique, comme l'attestent donc ces textes, je dirais à partir du milieu du XIe siècle, la fameuse date de 1054, le trop fameux schisme qui n'en est pas un, vous le savez, à cette date-là, jusqu'à 1204 et au-delà. En particulier, je fais référence ici à un texte qu'on a appelé le mémoire d'un certain Constantin Stilbès, poète et rhétoricien byzantin du XIIIe siècle, qui est un mémoire écrit contre les latins. On trouve mention de textes ou de traités qui, non seulement inventorient les erreurs disciplinaires culturelles des latins, mais qui inventorient aussi ces erreurs culturelles, et notamment dans les pratiques alimentaires. On retrouve l'idée donc de consommation de viande à l'étouffée, et donc non pas saignée. On retrouve aussi l'idée de consommation d'animaux impurs. Le latin, d'après Stilbès, consommerait de l'ours, des chacals, de la viande de tortue, des porcs épics, des castors, etc. La liste est longue, avec, à l'évidence, une exagération manifeste qui conduit Stilbès à affirmer que les latins vont jusqu'à voir leur urine. Bon. Voilà pour ces aspects alimentaires. Alors, on pourrait développer d'autres aspects culturels autour de la langue. On a un petit peu parlé déjà dans les distinctions entre grec et romain, autour du vêtement aussi, il y aurait peut-être des choses à dire. Je me concentre ici sur un deuxième point, plus précisément, la question du poil. Cette question, elle n'est pas nouvelle d'ailleurs au XIIe siècle, mais un petit peu comme pour tous les autres aspects d'opposition, elle va devenir un peu récurrente, et c'est assez net d'ailleurs lorsqu'on compare aussi bien les textes grecs que les textes latins. Je vous donne ici le témoignage d'un célèbre chroniqueur latin de la fin du XIIe siècle, Guillaume de Tyre, archevêque de Tyre, qui a laissé une longue chronique absolument fondamentale pour notre connaissance de l'histoire des États latins d'Orient au XIIe siècle et de leurs relations avec leurs différents voisins, musulmans et byzantins en particulier. Qui rappelle, vous le voyez, que les chrétiens d'Orient, dans lesquels il faut donc inclure les Byzantins, entretiennent leur barbe avec le plus grand soin, et s'il se trouve par hasard qu'un de leurs cheveux en soit arraché, ils le considèrent comme le plus haut degré de l'injure et de l'ignominie. Effectivement, toute atteinte au poil, il suffit aussi de lire les textes juridiques byzantins, grecs, toute atteinte au poil est jugée de la sorte infamante. Et lorsqu'il y a une peine, on en a vu un exemple à l'instant, eh bien la peine passe souvent par le fait d'être rasé. Avant, quelquefois, d'être exilé, voire de subir d'autres sévices physiques, mais celui qui revient le plus fréquemment, en fait, c'est le sévice et c'est la peine infamante du rasage. En 1054 en particulier, l'une des lettres à apporter au dossier de ce trop fameux schisme, donc de 1054, nous montre que déjà, entre grec et latin, on se moque les uns des autres du système pileux de l'autre. Et il y a divergence, effectivement, on le voit bien sur les images, je vous montre ici un document du Xe siècle, on distingue très clairement les représentants de l'Orient et des mondes chrétiens d'Orient, notamment byzantins, qui sont barbus, et au contraire, à l'opposé, donc, des occidentaux, latins, qui sont glabres, qui sont rasés. Le choix de l'autre, dans tous les cas, est toujours fautif. Et les textes polémiques que j'ai déjà donc présentés insistent sur cette opposition, insistent sur cette différence. Non sans ironie. Cognatès, à la fin du XIIe siècle, ironise par exemple sur le fait que si les latins ont toujours la joue rasée, c'est pour se donner une illusion de jeunesse. Les moqueries existent aussi dans l'autre sens. Les latins se moquent par exemple de la longueur de la barbe des prêtres grecs, qui les font ressembler à des boucs, ce qui évidemment n'est pas très flatteur. Mais encore plus, cela a des effets concrets et pratiques, et on revient à notre siège et à notre sac, et prise de Thessalonique par les Normands en 1185, et là je montre un petit peu l'image inverse, et la réalité surtout, et l'hégémonie culturelle qui passe par la question du poil. D'après le témoignage, vous le voyez, de Stade de Thessalonique, qui était témoin oculaire, qui est victime aussi, lui, de cette prise de la cité, de sa cité par les Normands à cette date-là, eh bien la nouvelle domination de la cité, qui ne va durer que quelques semaines, cette nouvelle domination par les Normands passe par un nouveau système pileux qui est imposé. Les Normands s'en prenaient à la tête des gens, donc
romains, c'est-à-dire les Byzantins, car ils haïssaient les chevelures non tendues et les barbes trop longues. Et donc, on était obligé d'être rasé lorsqu'on était grec, hein, et de suivre le modèle du latin. Alors, je crois qu'on est tout à fait dans la problématique et thématique de cette journée, la domination politique qui passe par un nouvel ordre pileux. Enfin, dernier point pour ce deuxième temps, je serai bref, la dimension proprement intellectuelle. Il faut la prendre en compte, et justement au XIIe siècle, où les contacts se répètent, notamment sur le plan politique et diplomatique. On peut trouver, parmi les critiques des auteurs byzantins vis-à-vis des latins, l'idée d'une faiblesse intellectuelle, qui est, c'est vrai, partagée avec d'autres, par d'autres barbares, mais en particulier chez Cognatès, l'idée que si les latins détruisent les églises, notamment à Constantinople en 1203-1204, s'ils détruisent aussi divers bâtiments ou œuvres d'art dans la capitale, c'est parce qu'ils manquent de culture. C'est parce qu'ils sont insensibles face à la beauté, dit-il, et c'est intéressant puisque c'est un des rares témoignages qui déplace un petit peu les critiques sur le plan de l'esthétique. Et Cognatès en va jusqu'à taxer les latins d'illettrés et d'analphabète absolu, hein, au moment où il décrit ces exactions perpétrées à cette date-là contre Constantinople. Mais si on en vient aux réalités intellectuelles, on se rend compte quand même qu'au XIIe siècle, par la force de la répétition des contacts, notamment donc politiques et diplomatiques, nombreux sont les manuscrits qui vont être échangés entre grecs et latins, entre byzantins et latins, et quelquefois offerts à titre officiel, hein, à titre gracieux par l'empereur et la cour, notamment de Manuel Ier Comnène, des textes offerts donc à des latins qui vont les traduire du grec au latin, soit à Constantinople, soit en Italie, dans le monde occidental latin plus largement. Il y a deux textes qui sont célèbres en ce sens et qu'il faut connaître. Le Digeste de Justinien, hein, qui était oublié en Occident et qui est redécouvert à l'occasion de la mission de Burgonde de Pise en 1136. Il rapporte le texte, il le traduit à Pise, et c'est le point de départ de la diffusion de ce texte fondamental dans la construction juridique, vous le savez, des États monarchiques de la seconde partie du Moyen-Âge en Occident. Et on peut ajouter aussi l'exemple, en 1158, l'un des rares moments d'entente d'ailleurs entre Byzantins et Normands, de la Megisté Syntaxis de Ptolémée. Elle est traduite en Sicile par Henri Aristippe, un des grands savants de la cour de Sicile. Elle est rapportée à titre cadeau officiel offert par Manuel Ier Comnène. Et ce texte est important. En fait, on le connaît sous son nom translittéré en arabe. C'est l'Almageste, l'Almageste de Ptolémée. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la traduction faite en 1158 est antérieure de 20 ans de celle opérée par un certain Gérard de Crémone, traducteur célèbre du XIIe siècle, à Tolède d'ailleurs, qui va la traduire, lui, en latin, mais à partir d'un original arabe. En réalité, le texte était déjà arrivé par le biais byzantin, à partir d'un original grec. Troisième et dernier point, quelques nuances quand même à apporter à ces dispositions, à ces principes qui relèvent beaucoup, on va le voir, et on l'a déjà dit, de topoi, de lieu commun, et qui nous conduisent à d'autres éléments de réalité. Il faut apporter des nuances, elles sont nécessaires, elles sont toujours indispensables. Vous le savez, en histoire, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. D'abord, première chose, pour constater qu'en fait, les auteurs grecs, byzantins du XIIe siècle, en particulier, mais pas seulement, sont souvent pris à leur propre piège de réflexes identitaires, de réflexes idéologiques, de réflexes culturels, au point donc de répéter des lieux communs vis-à-vis de ces barbares. Si on compare en fait ce que nous disent sur les occidentaux, sur les latins donc, en généralisant, ces auteurs du XIIe siècle avec ce qui a été dit chez les auteurs précédents, eh bien on se rend compte, première chose, que le mot d'Europe et le qualificatif de latin est beaucoup plus présent dans ces sources du long XIIe siècle, bien plus qu'auparavant. Alors évidemment, le terme d'Europe, hein, évropé en grec médiéval, a une acception bien plus large et désigne des territoires plus larges que le seul Occident chrétien. Hein, pour un Byzantin et celui encore plus qui rédige de Constantinople, l'Europe commence à la muraille de Théodose II, hein, c'est-à-dire commence en Thrace. Les territoires byzantins de Thrace, de Macédoine, sont européens. Mais l'Europe, c'est aussi donc l'Italie et tout le reste de l'Europe occidentale, telle qu'on l'appelle aujourd'hui. Eh bien, très clairement, une attention bien plus grande est donnée à ces espaces dans les textes grecs à partir du XIIe siècle.
Et ça, c'est important, il faut en prendre la mesure, mais il faut avoir un regard un petit peu donc, sur ce qui se passe avant, puisque jusqu'alors, jusqu'au XIe siècle, inclus jusqu'au moins au début du XIe siècle, très clairement, les chroniqueurs et les mentalités byzantines ont un regard qui privilégie l'Orient, qui privilégie l'Asie, qui privilégie l'islam, puisque du côté de l'Asie, ce sont les tenants de l'islam qui dominent ces espaces. On a un bel exemple en 1030 de campagne militaire qui est menée par un empereur, Romain III Argyre. Les chroniqueurs nous disent que c'est un pur acte de gaudriole de l'empereur, il n'y a aucune raison d'aller combattre, mais bon, c'est un administrateur civil devenu empereur, il veut montrer aussi qu'il est un grand combattant, et les chroniqueurs disent que très clairement, Romain III Argyre préférait combattre en Orient, en Asie, contre les infidèles en l'occurrence, parce que c'était bien plus glorieux que de combattre les Occidentaux. Eh bien, les choses sont en train de changer au XIIe siècle, et très clairement, cette valorisation de l'Europe, ou cette présence en tout cas de la notion et du mot d'Europe dans les textes, l'indique. Sans doute parce qu'on commence à se rendre compte du renouveau occidental à ce moment-là. On va peut-être mettre un petit peu de temps, ce qui expliquera un certain décalage. Néanmoins, cette conscience existe très clairement au XIIe siècle. Deuxième point qui vient un petit peu nuancer et même s'opposer à l'image très noire vue en première partie, même les latins peuvent être doués de qualités et de qualités morales. Certes, ils sont orgueilleux, arrogants, perfides, cupides, etc. Mais les auteurs et les trois chroniqueurs que j'ai évoqués savent quand même reconnaître leurs mérites qui ne sont ni illusoires ni secondaires. En particulier, ils disposent d'une qualité certaine, ils sont de bons combattants. Ils sont des soldats très respectables. Anne Komnène, par exemple, décrit les armes des uns et des autres, les armes défensives, les tuniques en particulier, tissées de maillons de fer qui rendent les soldats excellents, les boucliers oblongs des Normands en particulier, les armes, la force des armes défensives n'est pas restée sans commentaire ni sans admiration, plus ou moins feutrée bien sûr, des auteurs byzantins. On met en exergue aussi leur supériorité navale. Eh bien, on le comprend, puisque les attaques normandes, aux différents moments que j'ai évoqués à l'instant, sont aussi, et sont d'abord, des attaques navales. On met en exergue, en 1185, les 200 navires normands qui attaquent Thessalonique, qui sont surmontés de puissants arbalétriers qui sont juchés sur les mâts des navires et sur lesquels une pluie de flèches s'abat sur la cité. Les qualités et supériorités morales passent aussi par la dimension de tacticien, qui est tout à fait reconnue aux chefs militaires, les Normands là encore. En fait, on a l'impression que l'art de la guerre, dans toutes ses dimensions, qu'elle soit de l'ordre de la tactique, de la maîtrise des engins de siège aussi, de la maîtrise de la flotte, mais aussi des vertus morales, de la bravoure au combat, eh bien tous ces aspects-là sont concentrés de vertus au sein des chefs normands. Il est d'ailleurs remarquable que derrière le qualificatif global, soit de normands, qui sont souvent qualifiés de francs dans les textes grecs, soit donc de latins, on voit apparaître des individualités nommément citées, des princes, des chefs, qui concentrent justement les qualités reconnues. On vante les qualités militaires, par exemple, pour donner un exemple qui n'est pas normand, on vante les qualités militaires de l'empereur Frédéric Ier Barberousse, vous savez qu'il traverse l'Empire à l'occasion de la Troisième Croisade, et ses qualités, avant sa mort brutale, sont mises en évidence. On vante aussi la célérité des armées qui sont conduites par un certain Boniface de Montferrat, au moment où celui-ci conquiert la Grèce et le Péloponnèse en 1204. Cognatès, puisque c'est lui qui en parle, assure que les barbares qui l'entouraient avançaient plus vite que la parole de l'auteur et que les ailes de l'histoire. Et derrière cette mention ou cette périphrase, il y a bien sûr dédicace hein, ou qualité reconnue. Si on regarde maintenant les aspects, je dirais, culturels les plus visibles, hein, ce que j'ai évoqué en deuxième partie, eh bien, dans certaines descriptions, là encore, il faut se rendre compte de la complexité et des nuances qu'il faut apporter au schéma global. Je donne un seul exemple. Anne Komnène, dans la description qu'elle a pu donner du prince normand Bohémond, qu'elle a rencontré physiquement, alors ce n'était pas à Constantinople, elle était encore trop petite, enfin, elle a peut-être croisé, mais elle était trop petite pour s'en souvenir, c'est un petit peu plus tard, à l'issue de sa fameuse campagne militaire en 1106-1107, campagne qui n'aboutit pas, Bohémond dépose les armes, et il conclut un traité de paix avec Alexis Ier. À l'évidence, Anne Komnène était là,
elle a décrit physiquement le personnage. Et d'ailleurs, on a avec cette description la seule description physique de ce chevalier d'aventure, comme l'a qualifié Jean Flory. Eh bien, jusqu'à ses traits physiques, Anne Comnène cache difficilement son admiration vis-à-vis du chef normand. C'est un colosse, et il est particulièrement admirable parce qu'il est blond. Hypoxanthos, ça retient son attention. Sa barbe en particulier, hein, qui tire sur le rouge, sur le roux, Pyrsos, rend la figure, dans tous les sens du terme, de ce bohémon, fait de ce bohémon quelqu'un de très respectable, quand bien même il est rasé, hein, que ses joues sont, dit-elle, plus polies que le marbre. L'occasion de répéter qu'à Byzance, les peuples blonds sont particulièrement admirés. On a des textes en particulier prophétiques, 10e, 9e, 10e, 11e siècle, qui expliquent que ce seront des peuples blonds qui viendront secourir les Byzantins dans leur lutte contre les Sarrasins en Méditerranée. Et bien très clairement, Bohémond incarne cet idéal et Anne Comnène ne le cache pas. Si on regarde les dérives alimentaires des Latins et la fameuse consommation de viande non saignée ou même des aliments prohibés, en fait, il faut rappeler quand même que les Byzantins sont des Romains, que les Romains d'époque classique puis tardive au sens historiographique appréciaient beaucoup les boudins, appréciaient beaucoup les saucisses, consommaient beaucoup et cuisinaient des sauces à base de sang. Et ces pratiques sont restées, quand bien même il y a des interdits vétéraux, néo-testamentaires, et puis une répétition jusqu'au droit civil, on l'a vu. Et en fin de compte, il semblerait que toutes ces listes de déviances alimentaires des Latins soient en fait plus destinées aux Byzantins eux-mêmes. Il s'agit en réalité de critiquer les attitudes des Byzantins qui, sur les marchés, continuent d'acheter, de vendre et de consommer ce genre de saucisses, de boudins, etc., et ont une attitude déplorable aux yeux des canonistes ou aux yeux des juristes byzantins. Ce sont donc des listes et des critiques qui, en réalité, me semble-t-il, s'adressent en priorité aux Byzantins. Il s'agit de fustiger ces Byzantins qui ont une attitude déviante comme des barbares, voilà ce que ça veut dire, et en particulier comme des Latins. On sait aussi, deux derniers points pour terminer, que du fait de la présence latine qui est massive, on a pu estimer qu'à Constantinople, au début des années 1180, il y aurait eu jusqu'à 50 ou peut-être 60 000 latins qui résidaient dans la cité. Après, en 182, les choses vont changer, pour la simple et bonne raison qu'il y a un massacre de latins à Constantinople. Évidemment, d'être latin à partir de ce moment-là devient un peu plus compliqué. Mais on a un témoignage, jusqu'à Cognatès lui-même quand même, celui qui est le plus critique vis-à-vis des latins, de liens d'amitié, de liens de confiance, et de réseau d'amitié entre latins, ou originaires du monde latin, et byzantins. Là aussi, un seul exemple parce qu'il est significatif. Lorsque Cognatès, en avril 1204, doivent fuir les exactions commises par les Latins qui prennent d'assaut Constantinople, ils trouvent refuge un temps dans une maison qui est habitée par un Latin à Constantinople, qui est un de ses amis. Donc ça nuance beaucoup ses vues et ses propres descriptions très critiques, allant donc jusqu'à taxer les Latins d'être d'analphabétisme. Enfin, dernière chose, on aurait tort d'oublier qu'au XIIe siècle, on trouve des Latins jusqu'au sommet de l'État. Et en particulier à la cour de Manuel Ier Comnène, on a des conseillers latins dont les noms sont connus, qui sont aussi de grands intellectuels, entre guillemets, huguetériens, Léon Toscan, qui sont des conseillers écoutés, et qui sans doute pèsent dans le choix d'alliance matrimoniale de Manuel Ier Comnène. On sait que ce dernier, en particulier, a été uni à deux princesses d'origine latine, Berthe de Sulzbach et Anne et Marie d'Antioche, pardon. On sait enfin, et toujours autour de Manuel, parce qu'il est très latinophile en l'occurrence, qu'il a, Manuel Ier, admiré les pratiques de joutes équestres, les pratiques de tournois, et qu'il en a même suivi le modèle, et qu'il a pratiqué la chose, et qu'il l'a presque imposé un temps à Constantinople. En guise de conclusion, je dirais que, donc, point par point, on le voit, quasiment l'ensemble des critiques et des vues critiques vis-à-vis du latin dans son infériorité culturelle et intellectuelle, dans cet art qui sont innés, donc incurables, en réalité, toutes ces arts, point par point, sont démontables. Il y a donc une construction rhétorique qui est importante, sur laquelle insistent beaucoup les auteurs, et qui nous montre aussi qu'il y a peut-être le latin voisin, le latin, pardon, lointain,
d'une certaine manière herméneutique, celui sur lequel on peut gloser de manière globale, et puis il y a celui qu'on voit concrètement dans les rues, qu'on rencontre, avec lequel on discute, avec lequel les manières et les moyens d'échange sont multiples. Et d'ailleurs, ce n'est pas innocent si, comme je l'ai expliqué dans la troisième partie, les individualités, les personnes nommément citées, et jusqu'au chef en particulier, qu'ils soient normands, qu'ils soient d'autres origines, notamment lorsqu'ils relèvent de l'Empire romain germanique, ce n'est pas un hasard si ces individualités sont quelquefois mises en exergue, mises en avant, et précisément puisqu'ils sont mieux connus et appréciés à l'évidence. Il faut donc toujours souligner la part de topos dans le récit fait d'une supériorité ou d'une soi-disant supériorité culturelle ou intellectuelle. L'hégémonie culturelle relève ici de la construction d'un discours où la part de l'identitaire, à mon sens, peut être forte. Mais aussi, lorsque on critique l'autre, cela revient, on ne l'oublie pas, à mieux fustiger les siens et les erreurs des siens. Hein, et la question de la culture alimentaire est très riche sur ce plan. Enfin, un dernier point, il faut bien sûr faire une distinction au sein de tous ces auteurs et des trois principaux que j'ai étudiés ici, avec les événements contemporains. Anne Comnène est sensible aux dérives des croisés, de la première croisade en particulier, et aussi aux assauts normands au tournant des 11e et 12e siècles. Des distinctions enfin au sein des réalités vécues. Il est certain, pour terminer, que Stade de Thessalonique voit sous un très mauvais jour et d'un très mauvais œil les mêmes exactions commises par d'autres latins, les Normands à Thessalonique en 185, ou que Cognatès peut être très critique des effets de la prise de Constantinople en 1204, ce qui n'empêche nullement, on l'a vu, ces nuances. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour. Je veux revenir sur le poil et le fait que, par exemple, les Normands, en prenant en Thessalonique, rasent les Byzantins. Comment on peut concilier ça avec le fait que, pourtant, les rois normands en Sicile reconnaissent une supériorité culturelle byzantine, vu qu'ils sont représentés, en plus de porter le rose avec une barbe fleurie, je dirais. Merci. Je pense qu'il faut justement distinguer la question de la représentation. On se représente, on est représenté, on se fait représenter comme un basileus, comme un empereur romain, parce qu'on prétend à une forme de domination universelle, une forme d'impérialité qui est importante. Donc on va aller jusqu'à une représentation de la figure, dans tous les sens du terme, barbu, mais que dans la réalité, c'est différent. Et qu'effectivement, bon, ça passe aussi par un exercice, en 185, c'est quand même un peu particulier. Ça passe par un exercice militaire, par une démonstration de force, et autant on peut concilier les choses dans l'apparence, dans la présentation de soi et de son pouvoir, donc la barbe jusqu'aux représentations des rois normands de Sicile, autant dans la réalité, je dirais dans le feu de l'action, la domination ici passe par le poil rasé. Mais c'est pas quelque chose qui est en fait très original. Lorsque Charlemagne s'empare des territoires de Bénévent, on est un petit peu plus tôt dans le temps, on sort du domaine byzantin, mais cette domination de Charlemagne autour de Bénévent en Italie du Sud, sur les Lombards, elle est censée passer par trois choses, notamment le fait que le Charlemagne soit cité dans les actes désormais des princes lombards, le fait que la chancellerie suive le modèle carolingien, et le fait aussi que les Lombards se rasent le menton. Et les chroniqueurs lombards sont intéressants sur ce plan parce qu'ils nous disent que les deux premières demandes sont observées, sont suivies, mais que les Lombards n'ont jamais voulu se raser la barbe. Donc là aussi, on a une domination politique qui passe par le culturel, qui passe par l'apparence, qui passe un peu par, j'ai envie de dire, une gueule de l'emploi. On est entré dans l'orbite, soit carolingien, soit normand, en étant rasé, en l'occurrence. Bonjour, j'aurais voulu avoir plus de renseignements sur la question de la rivalité avec les Vénitiens et notamment le fameux aveuglement d'Enrico d'Endolo. Soit cette cécité est due à son âge pour Culeur, soit c'est un aveuglement pendant une ambassade à Constantinople. Qu'en est-il réellement ?
je suis bien et mal placé pour vous le dire. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé autour de ce pauvre Enrico Dandolo, donc doge de Venise quand même, au moment de la quatrième croisade. C'est lui, hein, le grand artisan, à mon sens, de la déviation de la quatrième croisade. Et effectivement, c'est quelqu'un qui est bien connu sur le Bosphore, puisqu'il s'est rendu à plusieurs reprises en mission diplomatique dans les années précédentes, notamment au moment de tensions entre Venise et Constantinople. Et d'après ce que veut bien dire un chroniqueur vénitien, Andrea Dandolo, un de ses descendants, à une date assez postérieure à la fin du XIIe siècle, effectivement, à l'occasion d'une rixe, on ne sait pas laquelle, on ne sait même pas où, Constantinople ou ailleurs, Dandolo aurait été aveuglé par des Grecs. Bon. Ce qui expliquerait sa cécité, qu'on peut mettre sur le coup de son grand âge, en particulier au moment donc, où il est doge et où il est l'artisan ou un des acteurs de cette déviation de la quatrième croisade. En fait, je pense que c'est plus de la rhétorique que de la réalité, et comme on n'a pas de texte qui vient conforter ou inversement d'ailleurs la chose, là, la question est intéressante, mais on ne peut pas y répondre. Mais c'est intéressant quand même si c'est topique, hein, si c'est un topos, si ça relève de la construction rhétorique, parce que ça veut dire aussi que le corps ayant été supplicié d'une certaine manière, eh bien, ça mérite vengeance. Hein. C'est ce que veut dire, en fait, Andrea Dandolo quand il raconte la chose, en justifiant d'une certaine manière, a posteriori, le fait que les Vénitiens aient été des acteurs importants de la déviation de la quatrième croisade, parce que, eh bien, regardez, jusqu'au doge de Venise au début du XIIIe siècle, il y avait eu atteinte physique sur le doge, et ça méritait rétribution, vengeance. Voilà comment je l'interpréterais. Mais on n'a pas de texte, malheureusement, hein, qui confirme ou infirme. Oui, donc bonjour. J'aurais une question sur le mépris culturel et cette infériorité. Est-ce que les Grecs, les Byzantins, mettaient sur le même plan les Latins avec les musulmans, ou au contraire, les musulmans étaient inférieurs ou supérieurs dans certains cas? Merci. Oui, ça c'est une vaste question à laquelle il est en fait difficile de répondre. Parce qu'il y a eu beaucoup, il y a de l'idéologie officielle qui dit en fait, donc nous sommes romains, détenteurs de la vraie civilisation, les autres sont des barbares, étrangers, et donc nécessairement inférieurs avec toutes ces tares. Et en réalité, ça ce sont des dispositions idéologiques qu'on répétera jusqu'à la fin de l'Empire. Mais quand on regarde bien chacun des auteurs, certes il les répète ces dispositions, mais il y a aussi des choix personnels. Des choix qui sont liés au contexte. Et si on veut essayer de comparer le poids des uns et le poids des autres, on a ces témoignages, on a d'autres ressources qui nous permettent de considérer, à mon sens, hein, mais ça c'est de l'interprétation personnelle, que sur la longue durée, ce qu'on appelle la période médio-byzantine, des années 640, lorsque l'islam apparaît et se diffuse, notamment au détriment des territoires romains, jusqu'en 1204, il me semble que globalement, l'islam en vient à être mieux considéré, effectivement, que le monde chrétien latin. Parce que c'est un voisinage, d'abord, qui est plus direct, parce qu'on considère, en tout cas au 8e, 9e siècle, vous le savez, que l'islam n'est jamais qu'une hérésie chrétienne, hein, donc ça englobe dans le monde chrétien ses voisins musulmans. On va vraiment tarder avant de considérer que c'est une religion à part, mais qui n'est pas vraiment à part, puisque c'est le même Dieu qu'on honore. On vient, au début du 10e siècle, à reconnaître que, et c'est une lettre conservée qu'on peut encore lire aujourd'hui, qu'il y a deux souverainetés officielles dans le monde, celle des Romains, celle des Sarrasins, et c'est une lettre écrite par la chancellerie de Constantinople, qui va totalement à rebours de l'idéologie officielle, qui dit qu'il n'y a qu'un seul souverain. Ben là, c'est pas vrai. Hein. En l'occurrence, celui qui a écrit cette lettre, c'est un patriarche qui est régent de l'Empire, qui dit, eh bien, il y a, et c'est une lettre adressée au calife de Bagdad, qui dit qu'il y a deux souverainetés légitimes, effectivement, celle des Romains, celle des Sarrasins, sous-entendu abbasside. On a un autre témoignage intéressant, toujours au milieu du Xe siècle, qui nous dit que lorsqu'on cède des documents officiels, lorsqu'on envoie de la correspondance auprès des différents voisins, eh bien, le sceau, la bulle, en or, en l'occurrence, qui scelle le document, doit contenir plus d'or lorsqu'on s'adresse au calife de Bagdad plutôt que lorsqu'on s'adresse à l'évêque de Rome. Bon, c'est dire le prestige, c'est dire la préséance qu'il y a, effectivement. Et par contre, les choses changent, comme je l'expliquais tout à l'heure, cette valorisation de l'Asie, de l'Orient, hein, fût-elle musulmane, eh bien, va connaître un petit peu un retrait au XIIe siècle. On se tourne davantage vers l'Occident, bah sans doute parce qu'on comprend aussi que cet Occident, il est remuant, hein, qu'il est en pleine expansion. Voilà. Mais la réponse globale est plutôt une valorisation assez nette de l'islam, des voisins arabes avec lesquels les contacts sont fréquents, avec lesquels une frontière commune est fréquente,
Ce sont aussi des gens qui s'intéressent aux manuscrits grecs. Hein, les califes abbassides sont demandeurs de manuscrits grecs au IXe siècle, les font traduire du grec en arabe, et d'ailleurs c'est certainement une des raisons de leur redécouverte même à Byzance. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on a souvent mis de côté, sous le tapis. On a considéré que ce qu'on a appelé le premier humanisme byzantin, toute cette redécouverte des textes grecs anciens, était liée à des raisons internes au monde byzantin. Aujourd'hui, on considère qu'il y a des raisons internes, c'est certain, mais il y a aussi des raisons externes, une forme d'émulation qui vient du monde arabe. Merci. D'autres questions ? Bon, donc on va s'arrêter là. On va tous manger. On se retrouve.